Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois erreurs qui sont assez répandues chez les investisseurs et notamment les personnes qui souhaitent investir pour la toute première fois. Et je suis assez à l'aise pour vous en parler puisque moi-même, quand j'ai commencé, j'ai commis ces trois erreurs. Donc, c'est pour justement peut-être vous faire comprendre pour quelles raisons vous avez du mal à trouver la bonne affaire déjà. Et puis, justement, peut-être vous débloquer et vous donner des idées qui vont réussir à faire que ça se concrétise, ce projet d'investissement locatif que vous êtes depuis de longues années. Et pour investir, pour illustrer mon propos, je vais utiliser justement l'appartement dans lequel je me trouve. Je suis aujourd'hui à Villeurbanne, qui est une ville limitrophe à la ville de Lyon. Et je vais vous montrer quelque chose, enfin je vais tenter de vous montrer quelque chose avec ma caméra si j'appuie sur mon écran en jouant avec la luminosité. Voilà. Si vous regardez ici le paysage tout d'abord, bien c'est assez caractéristique. Les Lyonnais connaissent bien les deux tours qui sont à peu près au milieu de mon écran maintenant et qui sont avec une forme caractéristique, ce sont les tours des gratte-ciel. C'est un quartier connu des Lyonnais et des personnes de Villeurbanne. Voilà, c'est un quartier de Villeurbanne, un quartier qui est très bon. Voilà, je vous montre également, j'en profite pour montrer le balcon. Il y en a deux dans l'appartement, je vais vous montrer l'autre. On a une belle vue dégagée. Et donc ici, on est à Villeurbanne. Et l'investisseur, donc pourquoi il a choisi cet emplacement versus Lyon ? Eh bien, c'est parce que la rentabilité en est bien meilleure, en fait. Donc ça, c'est la première erreur, c'est de penser que vous devez absolument investir dans la ville principale. Alors là, je parle de Lyon et de Villeurbanne, Lyon étant la ville principale et Villeurbanne la ville limitrophe. Mais ce que je vous raconte là, c'est valable aussi pour vous qui m'écoutez, si vous êtes à Nantes, si vous êtes à Bordeaux, si vous êtes à Strasbourg, si vous êtes à Lille, enfin bref, à Toulouse. Je ne vais pas vous faire toute la liste des 20 plus grandes villes de France, mais vous avez compris que vous allez toucher un appartement bien moins cher s'il est sur une ville limitrophe ou secondaire que si c'est dans la ville principale. Et plus vous visez le centre-ville ou le pied d'un métro ou le pied d'une université, et plus vous allez payer cher. Et ça vous interdit toute rentabilité. Et c'est comme ça que vous allez vous dire, mais je ne trouve pas de bonne affaire, c'est trop cher, j'y arrive pas. Et en plus, si c'est de la location qui n'est pas optimisée ou pas en colocation, qui est un bon principe également pour rentabiliser, vous n'allez pas y arriver. Donc, première erreur, c'est de penser qu'il faut absolument être centrique. Et deuxième erreur, c'est de penser justement que vous n'allez pas avoir de potentiel locatif si vous n'êtes pas en plein cœur de la ville. De mon expérience, il faut savoir que dans mon métier de chasseur d'appartements, j'ai pu faire aujourd'hui plusieurs dizaines, j'en suis à quasiment 80 opérations d'investissement locatif. Je précise pas que pour mon compte, mais majoritairement pour mes clients. Donc j'en ai qui veulent du patrimonial et c'est tout à fait OK. Donc là, on va dans Lyon, on va au pied d'un métro, au pied d'une université et on a la valeur patrimoniale, ça ne va jamais baisser. Mais d'autres souhaitent l'investissement et la rentabilité en premier lieu. Et là, eh bien, on est d'accord pour aller justement dans des quartiers excentrés de la ville principale ou dans des villes justement limitrophes. Et là, vous allez pouvoir justement avoir cette rentabilité puisque c'est la deuxième erreur qui est une fausse croyance. Le prix de la chambre dans une ville limitrophe ou dans un quartier excentré est assez similaire en fait au prix de la chambre en plein cœur de ville. Vous voyez, l'écart est bien moindre en termes de location à la chambre que l'écart en termes de prix d'achat. Vous voyez, donc c'est en cela que vous allez avoir une rentabilité bien meilleure puisque vous aurez payé moins cher et vous aurez un prix de loyer qui sera quasiment équivalent au fait d'avoir investi en plein centre-ville. Voilà pour la deuxième chose. Et la troisième erreur que j'entends souvent, en fait, je m'en rends compte au fur et à mesure que j'échange avec les prospects, les investisseurs, c'est que la plupart du temps, colocation rime avec étudiant. Alors pas pour le coup au niveau du français, mais dans la tête des gens, colocation, ça ne vise que les étudiants. Eh bien, sachez qu'un appartement comme celui-ci, vous voyez, donc rénové avec un certain confort, un standing, un lit double, vous voyez, un silence, ça s'entend peut-être aussi dans la vidéo, on est pourtant en ville, eh bien, c'est tout à fait recherché par les jeunes actifs aussi. Ils sont majoritaires, en fait, les jeunes actifs dans les personnes qui viennent candidater à ce genre de chambre. Voilà, jeunes actifs qui sont parfois, qui viennent de villes différentes. Il y avait un jeune homme qui venait de Grenoble, donc à 1 heure de Lyon, qui démarre un CDI en tant que comptable, et bien donc cherche à se loger. Une colocation, ce n'est pas un pis-aller, ce n'est pas une solution par défaut, c'est quelque chose qui est recherché justement par les personnes qui viennent de l'extérieur et qui cherchent justement à connaître des gens, à discuter, à pouvoir sortir à plusieurs plutôt que se retrouver tout seul dans un studio de 20 mètres carrés. Ici, vous avez 65 mètres carrés, c'est quand même plus sympathique pour échanger, pour découvrir une ville. Et donc voilà, sachez-le, il y a entre 60 et 70% de jeunes actifs
qui viennent choisir la colocation. Et donc, on est loin de la majorité des étudiants. Donc là encore, ne visez pas, ne ciblez pas les étudiants en voulant absolument investir au pied d'une université. Mais voilà, excentrez-vous. Au passage, les étudiants peuvent ne pas souhaiter habiter au pied de l'université, mais plutôt dans des villes où il y a des quartiers sympathiques, des bars, des restaurants, des choses où sortir le soir, plutôt qu'à leur endroit où ils vont étudier. Sauf pour les plus studieux d'entre eux, qui cherchent le chemin le plus court et plus direct pour transporter leur tête dans les amphithéâtres, ce qui n'était pas mon cas à l'origine, mais donc, enfin, en tout cas, vous avez compris le sujet et le principe. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que vous aussi, vous commettez ces trois erreurs? Est-ce qu'il y en a au moins une que vous commettez? C'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver la bonne affaire. Eh bien, justement, vous pouvez réagir dans les commentaires et j'y répondrai le plus brièvement possible. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous éclaire sur les choses qui peuvent vous bloquer aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui va bien pour voir d'autres appartements comme cela. Il y en a d'autres qui arrivent et avoir d'autres conseils ou d'autres erreurs plutôt à ne pas reproduire si vous souhaitez concrétiser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines.